Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission plateau. La Commission électorale nationale indépendante a proclamé hier les résultats provisoires des élections municipales du 22 mai dernier. Et sans grand suspense, pourrait-on dire, car depuis la nuit de dimanche, les urnes avaient déjà livré leur verdict dans les 365 communes. Quels enseignements peut-on tirer des résultats de ce scrutin? Analyse et débat ce soir avec nos invités. Ils sont au nombre de 4. Deux hommes politiques, M. Nathanaël Ouédraogo, de l'Union pour le progrès et le changement, M. Pascal Bénon, du mouvement du peuple pour le progrès. Également sur ce plateau, deux journalistes bien connus, également des analystes politiques, M. Ladji Bama, rédacteur en chef du journal Le Reporter, également M. Zewen Manego, Dieudonné Zungrana, directeur de publication du quotidien Aujourd'hui au Faso. Bonsoir messieurs et merci pour votre disponibilité. Alors je vous le disais, les chiffres provisoires de ces élections municipales sont connus depuis hier et comme on s'en doutait, la participation a été faible, 47,65% des électeurs ont voté. On est loin des 60% de participation aux élections législatives et présidentielles du 29 novembre 2015. Alors, question, que s'est-il passé entre-temps? En l'espace de 4 à 5 mois, on est donc passé de 60% à 47,65%. Comment expliquer cette faible participation à un scrutin dit de proximité? Alors, la question va être adressée d'abord aux hommes politiques. Monsieur Nathanaël Ouédraogo, comment on peut expliquer cette désaffection de l'électorat à ce scrutin du 22 mai dernier? Oui, je voudrais dire bonsoir à tous les téléspectateurs et dire que cette élection, si nous connaissons un taux aussi faible, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Et ce serait difficile de dire que c'est une seule raison. Mais je pense que parmi les nombreuses raisons, la première raison, quand le citoyen ne sort pas voter, c'est qu'il a l'impression que son vote ne sert à rien. Et je crois que depuis l'élection, comme vous avez dit, de novembre présidentielle législative de 2015, il y a à peu peine 6 mois, même pas, l'électeur peut-être se rend compte qu'ils ont voté, mais que les conditions de vie ne changent pas. Peut-être même que ça se dégrade. Mais et je pense que c'est une des raisons. Local, monsieur, oui, mais c'est ça. Le vote pour le citoyen, c'est un vote. Il vote et souvent, il se rend compte que ça n'a pas changé. Deuxième chose, je pense aussi qu'il faut qu'on fasse attention parce que aussi les gens ont l'impression, et j'ai écouté, les gens disent que nous votons, mais ce n'est pas les gens que nous voulons qu'on voit venir. Donc aussi, il y a un soupçon de dire qu'on trahit la volonté populaire, même si ce n'est pas vrai. Je ne veux pas appuyer, mais vous m'avez donné les raisons. C'est le sentiment, en tout cas les deux, qui se dégagent des populations. Monsieur Bénon. Oui, moi, je pense que la raison essentielle est surtout dû au fait que les populations aujourd'hui ont le sentiment que, après avoir donné le pouvoir, après avoir voté massivement pour le président Roch Kaboré et pour le MPP et une partie pour l'UPC, ils ne voient pas réellement l'importance du vote local. Et ça, c'est de la responsabilité des partis politiques, de la société civile. Il faut qu'on accepte de prendre les responsabilités parce que nous n'avons pas fait le travail sur le terrain, expliquer aux populations, quel que soit le parti politique, hein, quelle que soit la structure de la société civile, il faut qu'on intéresse la population à la question locale. Et je pense que la raison essentielle, c'est un peu ça. Et donc, bon, comme un peu l'a dit Nathanaël, hein, bon, on ne voit pas l'importance du vote. Non pas parce que, par désaffection pour le pouvoir qui est en place, mais tout simplement parce qu'on ne voit pas l'importance. On se dit, on a fait des élections présidentielles, des élections législatives. Ce que M. Ouédraogo semble dire, c'est que c'est au regard de la gestion. Oui, mais vous savez, en 100 jours, on peut pas gérer. On peut pas. Et même si c'était ça, c'est contradictoire dans son analyse. Parce que si c'était vraiment ça, les gens allaient sortir pour sanctionner plutôt le parti et le gouvernement en place.
Mais là, non, vous avez vu les résultats, c'est véritablement un raz de marée. Donc, okay. Ce n'est pas, l'argument ne tient pas du tout. Nous allons revenir donc à cette responsabilité des politiques, mais nous allons donner la parole également donc, à nos analystes politiques qui sont sur ce plateau, M. Zungrana, sur les raisons donc, de cette désaffection. Je vois, au risque de me répéter, je l'ai déjà dit sur ce plateau il y a quelques jours, je pense que je vois principalement trois raisons. Il y a le fait que les gens sont blasés par les hommes politiques. Bon, ils n'ont plus confiance aux hommes politiques depuis Malthusalem, qu'ils votent. Bon, souvent, ils ne voient pas. On vote des gens qui, rapidement, bon, pensent à leurs intérêts personnels, qu'aux populations, au mandat. Mais en 4 mois, quand même, on est passé de 60%. Oui, mais si on remonte à 2012, même les municipales, c'était 75%. Absolument. Donc, vous voyez la chute barométrique qu'il y a eu. Donc, il y a ça, les gens sont blasés. Ce n'est pas parce que c'est local, mais bon, les gens sont blasés par les hommes politiques. Bon, il y a le fait aussi que, bon, quelque part, les gens se disent que à quoi bon, souvent, bon, le vote est déjà pipé. Souvent, bon, on se dit, bon, voilà, à quoi bon, bon, parce qu'on sait déjà, bon, ceux qui vont gagner. Ça, c'est les deux points. Mais je pense que la principale raison, je l'ai dit, c'est que les Burkinabés ont faim et soif. Vous savez, quand le ventre est vide, l'urne sonne creux. Bon, si vous aurez remarqué, bon, en 2014, il y a eu la tambouille entre les politiques sur l'article 37. Donc, on a passé une année 2014 à vide. Bon, le Burkina tournait en rond. 2015, il y a eu la transition qui a fait ce qu'elle a pu. Mais avec l'austérité. Oui, quoi qu'on dise, le pays était sur répondeur. Donc, bon, ça fait 5 mois que le pouvoir de Roch Kabore est en place, un pouvoir bon, qui hahane comme Sisyphe avec sa pierre, qui fait ce qu'il peut, mais jusqu'à présent, c'est vrai que ce n'est pas facile. Donc ça fait 2 ans, 5 mois que les Burkinabés ont faim et soif. Donc leur quotidien, là je l'ai dit, leur quotidien, c'est ça qui les préoccupe, que bon, d'aller voter des gens qui après, bon, puisqu'on ne sait pas si ça va changer, qui vont encore se disputer les terrains, les parcelles. Bon, donc y a, mais je vois principalement le quotidien des Burkinabés. Les gens, vous voyez, la canicule, la soif, la cherté de la vie, ça explique vraiment en grande partie cette désaffection-là. Les gens préfèrent rester chez eux que d'aller voter encore des gens qui, sitôt, bon, le vote finit parce que les promesses électorales n'engagent que ceux qui croient. Donc moi, je pense à ces trois raisons-là. Ok. Monsieur Bama ? Non, je ne crois que c'est... Je ne peux rien inventer. Hein. C'est exactement ce que M. Odago disait tantôt. C'est une conjugaison de plusieurs facteurs. Hein. Il n'y a pas une seule explication à cette situation. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs qui sont en tout cas en présence ici, qui ont expliqué cette situation. On peut énumérer parmi ces facteurs, notamment la désaffection vis-à-vis même du politique de façon générale. Les gens ne savent plus à quoi... Ça rime la politique même. Qu'est-ce que ça apporte aux gens? Les gens ne voient pas. Ensuite, il y a le maire lui-même en tant qu'élu. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour les populations? Pas grand-chose. Sinon que dans certaines localités, le maire constitue une sorte de traumatisme pour certaines localités. C'est vrai, on va y revenir. Quand on entend parler du maire, ce n'est pas celui-là qui vient pour aider ses concitoyens à sortir du gouffre, mais c'est celui-là qui vient plutôt pour les enfoncer. Donc ça fait que du coup... Qu'est-ce qu'on va à l'IMR pour faire encore? Pour venir nous voler nos parcelles, pour venir nous enfoncer. Je pense qu'il y a tous ces facteurs-là. Vous voyez qu'on se rejoint plus ou moins avec... Il y a tous ces facteurs qui expliquent que c'est 47% de taux de participation. Mais Dieudonné Zungrana, permettez-moi de revenir également sur le climat de la campagne. Mm-hmm. On ne va pas s'attarder sur est-ce que c'est la conséquence des 100 jours de gestion, mais le climat de la campagne, ce qu'on a senti, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de tensions et qui ont cristallisé un peu les échanges au lieu qu'on se focalise véritablement sur les projets que les différents candidats avaient vraiment pour les différentes municipalités. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que ce climat malsain-là, M. Ouédraogo, qui a peut-être en tout cas conduit à cette désaffection? Comme j'ai dit, il y a plusieurs raisons. Donc la raison que vous avancez, moi je pense qu'elle fait partie d'une des raisons. Puisque quand le climat est délétère, quand les gens se rendent dedans, d'abord même pour constituer leur propre liste dans le même parti,
Vous savez, ça crée vraiment dans les tensions, dans les familles, dans les communes. Et quand en plus, après c'est inter-parti ou bien dans la même commune, il y a pas mal de tensions que les gens vivent dans la constitution des listes, effectivement, ça crée un climat dans lequel les gens se disent « Est-ce que vraiment on va aller à ces élections-là sans problème ?» Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui ont été intimidés. Moi-même, j'ai été agressé dans mon bureau de vote le jour de l'élection. Ah bon? Oui, j'étais agressé. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Hidalgo? Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Ce n'est pas très important. Mais ce que je veux dire, j'étais délégué dans mon bureau de vote. Et après, les jeunes sont venus s'en prendre au président pourquoi je suis dans le bureau de vote. Et ça a créé, la police a dû venir. Bon, d'ailleurs, c'est un incident qui a été vite réglé après, puisque le parti a envoyé quand même un responsable, même à la personne d'un député, venir présenter les excuses. Mais c'est pour dire que tout le monde était sous tension. Et vous savez, les gens disent, mais à quoi ça sert effectivement? Et d'être là, à vouloir voter, et il y a des problèmes. Donc, parfois, on dit, bon, je reste chez moi. Et ça fait partie d'une des raisons, effectivement. Et comme je dis, il y a plusieurs raisons. Monsieur Benon, sur ce climat malsain qui a prévalu, le président, de façon après avoir voté, a même fait, en tout cas, une déclaration dans laquelle il estimait qu'on avait franchi le Rubicon. Oui, effectivement, vous savez, lorsqu'il y a eu les dépôts des listes, au niveau des partis politiques et au niveau des structures déconcentrées de la CENI, les partis politiques n'ont pas joué le jeu du règlement amiable de certaines difficultés. Vous savez, au niveau des CCI ou des CIA, il y avait des dossiers, des dossiers qui n'étaient pas et qu'il fallait accepter de part et d'autre. Il fallait s'arranger pour que ça se fait. Mais le jeu n'a pas été joué au niveau des partis politiques. Et Chacun a campé sur sa position. Ça crée des situations absolument absurdes. Quand on prend le cas, par exemple, d'Apelgo, où il n'y avait que deux partis qui pouvaient effectivement compétir, chacun est resté sur sa position. Là-bas, c'est votre parti qui a été, en tout cas, indexé parce qu'on a estimé que c'est, en tout cas, à qui profitait, entre griffes, en tout cas, le crime, c'était que parce que les... Oui, mais non, pour le cas d'Apelgo, c'est tout à fait différent parce qu'il y avait, je crois, l'UPC et puis les MPP qui devaient compétir. Mais on aurait pu, au niveau de la CECI, arranger ces questions de dossiers non signés, vous voyez, des petits détails comme ça. Mais chacun a campé sur sa position, ça crée beaucoup de tensions. Que ce soit à Depelgo, que ce soit à Zogoré, que ce soit à Burumburu, à Béguédo. C'est vraiment des problèmes qui auraient pu être résolus par les partis politiques au sein des structures déconcentrées de la CECI. Mais ça n'a pas été fait, de la CENI, ça n'a pas été fait. Et ça crée une tension telle que, effectivement, les jours de vote, et chacun était sur ses campés et bon, prêt à en découdre. Tendu. Comment on peut expliquer? Je voulais revenir sur ce que tu as dit. Effectivement, il faut que la classe politique trouve un terrain de dialogue propice. Mais je voudrais juste soulever que je suis parfaitement d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord et où l'UPC n'est pas d'accord, c'est quand on doit s'entendre sur le dos de la loi. On ne peut pas s'entendre pour faire quelque chose d'illégal. Et ça, l'UPC est clair là-dessus. Chaque fois qu'il s'agit d'illégalité, l'UPC ne peut pas accepter l'entente. C'est pareil pour le MPP. Voilà. Donc, je peux donner un exemple. Sur des situations je prends loi. Un exemple. Oui. Quand il y a un délai qui est fixé par la loi, qui dit que c'est avant telle date qu'on doit déposer 70 jours avant, si quelqu'un vient après, je ne vois pas comment on peut s'arranger. Quand la loi dit qu'il y a des mentions obligatoires, et il cite dans l'ordre que votre dossier doit comporter ces mentions, notamment les fonctions. Et qu'on dépose un dossier sans ces fonctions. Le jour du dépouillement, il n'y a pas les fonctions. On dit non, il faudrait qu'on s'entende là-dessus. On ne peut pas s'entendre tant qu'on ne connaît pas les fonctions parce que y a ces mentions-là, c'est important. Par exemple, il y a les fonctions du maire sont incompatibles avec certains... postes, voilà, certaines fonctions comme le magistrat, comme les militaires, les douaniers, etc. Donc tous ces éléments qui souvent sont importants et d'ailleurs consignés par le législateur, nous devons les respecter qui que nous soyons. Et souvent c'est de ça qu'il s'agit. Okay. Et nous avons toujours dit, nous n'accepterons pas vraiment de nous entendre sur l'illégalité pour justement... n'est pas respecté là. Nous allons permettre également aux analystes politiques de réagir parce qu'on a remarqué véritablement donc une montée de la tension durant ces deux semaines de campagne, peut-être une tension qu'on n'avait pas aperçue même au moment des élections législatives et présidentielles. Monsieur Zungrana, qu'est-ce qui peut expliquer cela selon vous?
Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui peut expliquer l'atmosphère chrysogène qui a prévalu à Burumburum, à Dapelgo, à Zogoré et puis à Begdo. Mais c'est symptomatique d'une exacerbation. Petit à petit, on sent que, bon, il y a une exacerbation de la pratique politique. Mais moi, je lis ça quand même à certains politiciens. Il y en a qui n'ont pas encore laissé tomber les pratiques d'une certaine époque. Parce que c'est, bon, la classe politique n'a pas encore fait sa mue. C'est les mêmes marigots. Les mêmes pachydermes qui sont toujours... Vous parlez de quoi? Les coups en dessous? Oui, les coups en dessous, oui, il y a, oui, bon, faut pas rêver, c'est vrai, il y a eu l'insurrection, mais... C'est pas nous, le monde des bisounours. Voilà, nous retrouvons toujours avec, bon, les mêmes animateurs de la classe politique, et il y en a qui étaient notoirement connus pour ces pratiques. Je crois que, bon, ce sont les derniers scories, bon, de certaines pratiques qu'il faut... faut absolument laisser tomber. Mais en même temps aussi, il y a le fait que le peuple burkinabé a gagné en maturité politique. Donc, ce qui était, bon, ce qu'on peut, on pouvait ruser avant, laisser passer, avec, on arrondit les angles, les gens ne sont plus prêts à ces arrangements-là. Donc, il y a tout ça qui fait que les populaires... Si on prend Dapelgo, on était là sur ce plateau-là, puisque vous, la TNB, vous avez fait... Bon, le correspondant de la TNB à Dapelgo a dit qu'on a interviewé des gens qui ont dit que, en fait, les gens qu'ils ont présentés, ils ne les connaissent pas. Bon, et le ministre de l'administration, Simon, était sur... C'était quand même assez bizarre, parce qu'une élection de proximité, c'est quoi? Bon, c'est des gens avec qui vous êtes tous les jours, pour ne pas dire, bon, vous dormez ensemble. Donc, comment se fait-il? Où sont sortis ces gens-là qu'on a alignés sur ces listes et qui ne sont pas reconnus par les votants? Donc, moi, c'est une question qui me turlupine. Voilà, donc il y a toutes ces raisons-là qui font qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on en franchit un pas, mais je pense que c'est aux hommes politiques d'appeler, de faire un travail de fond pour appeler leurs militants à plus de civisme, parce que la politique, c'est pas la guerre. Bon, si... Parce que j'ai entendu, moi, c'est comme je dis, je ne vais pas rentrer dans les querelles byzantines entre l'UPC et le MPP, parce que je sais que chacun se rejette la balle. Si je prends le cas de Burumburum, l'UPC même a eu à faire un communiqué indexant une ministre de la République, qu'elle serait à l'origine justement, bon, de ce qui s'est passé à Burumburum là. Donc, bon, nous, les journalistes, on ne va pas, mais... Bon, on reconnaît quand même qu'il y a un travail à faire et il faut vraiment appliquer, bon, il faut appliquer la loi, et parce que ce n'est pas normal que, c'est comme quand il y a une grève, c'est pas normal que chacun est libre d'aller voter. Mais quand les conditions sont remplies, ceux qui ne veulent pas aller voter doivent laisser ceux qui veulent aller voter, d'aller, si la loi le permet, mais il ne faut pas... par des méthodes moyenâgeuses, empêcher des gens d'aller voter parce qu'on n'est pas présent au scrutin ou bien pour une raison. Donc on comprend que tout cela cristallise donc les tensions, M. Bama, sur cette montée des tensions. Non, en fait, moi je crois que c'est souvent dû au fait que les gens ne veulent pas s'assumer. C'est pas plus que ça. Parce que c'est quoi? Quand on prend le cas d'Apelo, par exemple, moi, je ne peux pas comprendre que... au MPP, on vient d'où? Je dis que non, c'est parce qu'on aurait pu faire des arrangements. Quel arrangement on devait faire? Une situation s'est posée, la justice a rendu une décision, mais on s'en remet à la décision de la justice. Quel arrangement on veut faire ici? Excusez-moi. Oui, monsieur. Je n'ai pas parlé d'arrangement dans le cadre de Dapelgo. J'ai parlé de manière générale. Même si on veut voir si vous prenez les cas de façon générale. Non, si vous prenez les cas... Permettez-moi, M. Benoît, de préciser sa pensée. Voilà, parce que si vous prenez cas par cas, chacun peut justifier pourquoi il y a eu ce problème-là. Prenez le cas de Zogoré, prenez le cas de Burumburum, de Dapelgo, de Begedo, chacun peut justifier. Moi, je parle de manière générale. Sur l'ensemble des CICI et des CIA, où il y a eu des petits problèmes, parce que tout simplement... Et on n'a pas pu s'entendre sur un certain nombre de choses qui ont créé... Il n'y a pas eu de dialogue. Quoi, oui, il n'y a pas eu de dialogue. Mais c'est des choses, et je ne suis pas d'accord avec M. Nathanaël. Nous, au MPP, nous ne venons pas sur des questions frauduleuses. On ne va pas monter sur la loi. On ne va pas violer la loi.
Non, pas du tout. Quand on parle d'arrangement, c'est simplement des questions parfois de signature qui manquent, des petits détails. Oui, mais... Mais oui, mais donc, en ce moment-là, vous ne pouvez pas... Je ne sais pas, hein, je crois qu'il a, intervenu, moi j'étais en train d'intervenir, c'est à mon tour. Allez-y, laissez finir mon idée, quitte à ce qu'il reprenne. Oui, parce que là, même si on prend de façon générale, dans la plupart des situations où il y a eu des tensions comme ça, chaque fois, on remarque que c'est le parti au pouvoir qui est indexé tout le temps. C'est leur nom qui revient chaque fois. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que chaque fois, le parti au pouvoir croit qu'il est au-dessus de la loi. Ça, même si vous laissez parler, c'est toujours comme ça. On a toujours vu des situations où la justice rend des décisions. Non, on ne veut pas s'en remettre à la décision de la justice. On veut se donner des passe-droits souvent. Et selon vous, c'est ça qui a fait monter. Oui, et ça, ça fait que ça exacerbe les situations et on ne peut pas s'entendre. Il faut que même quand on est au pouvoir, on se dise qu'on est sur le même pied d'égalité tous ceux qui compétissent à une élection. Parce que tant que le pouvoir pensait que non, ils ont des passe-droits, on va je crois qu'on va trouver là, il nous fait un faux procès. Je ne comprends pas. D'après loi, je crois que la Cour... La Cour a rendu son verdict. C'est pareil que Zogoré. Il y a eu quand même une décision de justice. Voilà, donc je ne sais pas, on ne sait pas comment on a fait et cette décision de justice n'a pas pu être appliquée. Donc, je pense qu'on va progresser parce que l'intérêt ce soir, c'est d'analyser évidemment les résultats qui ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Comme je le disais, le verdict des urnes est tombé. Le mouvement du peuple pour le progrès donc est arrivé en tête avec 11 167 sièges sur le plan national, sur 18 955 sièges à attribuer. L'Union pour le progrès et le changement est deuxième avec 3 051 sièges. Troisième, le Congrès pour la démocratie et le progrès avec 2 134 sièges. Alors, question au MPP, est-ce qu'on peut parler d'une mission accomplie? Est-ce que c'est le triomphe au niveau du MPP? C'est le triomphe. C'est une victoire totale et on l'avait prévu, on l'a dit, et nous sommes sur le terrain. Il y en a qui passent le temps dans les réseaux sociaux ou dans les télé et radios et télévisions à parler. Nous, c'est sur le terrain, les résultats sont là. N'en déplaise à certains qui pensent qu'on a fraudé ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est clair. Alors, M. Nathanaël Ouédraogo, il parle de triomphe. L'opposition, est-ce que c'est un résultat à la hauteur, en tout cas, des projections et des attentes? Encore, quand vous avez commencé, vous avez parlé du taux de participation. Et je crois que nous pouvons dire que ce soir, il y a près de 52% de la population qui sanctionne la politique qui est menée actuellement. Et vous savez que partout, quand il y a un taux comme ça élevé d'abstention, c'est parce que les gens... Comme j'ai dit au départ, ne sentent rien dans leur vie. Et je pense que le réflexe qui consiste, comme a dit mon collègue dans la politique, les gens n'ont pas ce réflexe de dire nous allons aller voter, même dans les pays de grande démocratie, nous allons voter pour sanctionner le pouvoir. Généralement, les gens, quand ils sont découragés, ils restent chez eux. Parce donc que, vous pensez que cette abstention, même en France, les gens vont à la pêche, ils vont à ceci, parce que les gens... Voilà, ils sont découragés et donc ils ne font pas. Donc pour nous, en fait, c'est une sanction. Ça défavorise l'opposition. Non, c'est même pas défavorisé. Ça montre que la population attend autre chose et que justement, ne la voyant pas venir, elle se dit ce n'est pas la peine. Et contrairement à ce qu'il dit tout de suite, justement, l'abstention pour la population, si justement nous devons continuer à la sensibiliser pour dire que pour sanctionner quelqu'un, ce n'est pas en restant à la maison, c'est en allant voter. Et le jour que nous aurons un taux, moi j'aurais aimé hein, qu'il y ait un taux de, comme la dernière fois, de 75%. Là, votre triomphe, j'aurais trouvé qu'il vaut la peine. Le PC avait 1600 conseillers en 2012. Nous sommes passés à 3000. Il y a réellement une progression. Nous avons presque doublé ce score-là. Et moi, je considère donc vous êtes que... satisfait? Non, on ne peut pas être satisfait. Nulle part, on peut dire qu'on ne peut pas mieux faire. Je pense que... aussi, ou bien vous ne parlez pas de défaite? Non, moi, je pense que la population s'est prononcée et nous devons en prendre compte et travailler à ce que la population comprenne que pour sanctionner un régime, c'est en allant voter contre ce régime, ce n'est pas en s'abstenant. Ok. Alors, M. Zumrana, peut-on parler d'un raz-de-marée du MPP? Oui, bon, je n'ose pas lâcher le terme Tokjili. Mais je crois que l'ordre a été respecté. Bon, je sais pas, c'est pas une surprise.
Bon, je crois que le MPP, le parti majoritaire, a confirmé ce qu'on attendait. Bon, l'UPC a maintenu vraiment son rang de deuxième. Le CDP aussi a sauvé les meubles malgré sa décapitation. Et donc, bon, l'ADF se retrouve avec la portion congrue. Mais je crois que, bon, c'est une victoire, bon, je ne sais pas si le MPP va avoir le triomphe modeste, c'est un... mais bon, voilà, j'ai la... Le président du parti a dit d'avoir le triomphe modeste, voilà. Bon, je ne vais pas aller contre ce qu'il a dit. Voilà, mais non, oui, c'est... Je n'ai pas le triomphe. Bon, et je pense que le MPP va se retrouver avec 250 mairies, selon ce qu'a dit... Ne présageons de rien, parce que... Non, 250 mairies, ça a été dit lors d'une conférence de presse. Oui, notamment aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, 250 mairies. Donc, bon, je crois qu'ils ont les coudées franches pour mener bon, à bien les activités dans les différents conseils. Parce que, bon, c'est ça aussi la bagarre des mairies. Mais au-delà, bon, parce que souvent, qu'est-ce qui bloque dans une mairie? C'est quand le maire n'arrive pas à réunir son conseil. Bon, plusieurs fois, je crois qu'on est obligé de dissoudre ce conseil-là pour passer à une délégation spéciale. Bon, je crois que pour le cas d'espèce, bon, je crois que le MPP aura... vraiment la marge de manœuvre nécessaire peut-être maintenant. Est-ce que, bon, justement à cause de ça, est-ce que le MPP pourra vraiment faire fi de certaines dérives? Parce que quand on règne partout à l'Assemblée ou dans les conseils municipaux, dans l'exécutif, est-ce qu'en ce moment-là, un hyper-parti, vu ce qui s'est passé avec le CDP et vu éventuellement que justement, dans ce même MPP-là, on retrouve justement les animateurs qui avaient animé le CDP. Il faut qu'on attende de voir est-ce que les vieux réflexes ne vont pas ressurgir pour voir les vieux démons. Donc, moi, sous réserve d'inventaire, on attend de voir. Alors, monsieur Ladjibama, quand vous regardez donc ces chiffres froidement, qu'est-ce que ça vous inspire comme... Je crois qu'il n'y a pas, on ne peut pas l'appeler autrement, c'est une grande victoire du MPP, c'est clair, les chiffres sont assez clairs, les jeunes ont parlé, ils ont gagné. Maintenant, moi, j'ai dit que le triomphe aurait pu être plus glorieux si on n'avait pas vu tout ce qu'on a pu constater pendant la campagne et pendant même le jour du scrutin. Parce que quand moi je revois un peu les conditions dans lesquelles cette victoire a été acquise, moi bon, je trouve que bon, on n'avait pas besoin de passer par là pour gagner. Quand je me rappelle de ce qu'on a vu à Manga comme carte d'électeur qu'on a acheté, quand je vois ce qui s'est passé à l'arrondissement 4, où le soir des électeurs disent non, si ce n'est pas nous qui gagnons, on va tout casser ici, le MPP n'avait pas besoin de cette situation-là. Quand je vois ce qui s'est passé à Gboroum Gboroum, quand je vois ce qui s'est passé à Zogoré, on n'avait pas besoin de ça pour gagner. Donc, moi, j'ai dit que les partis vous indexez pouvoir... les MPP dans tout non, ça. Non, moi, je suis d'accord qu'ils ont gagné, mais je trouve qu'ils auraient pu gagner de façon beaucoup plus éclatante. Non, ils auraient pu gagner de façon plus éclatante. Les hommes, maman, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez prendre le MPP? S'il vous plaît, analyser la situation. Laissons-là, maman, aller au bout de sa réflexion. Monsieur Benoît, s'il vous plaît. Oui, non, ok. On va permettre à. C'est le MPP qui a gagné, oui ou non? Je parle de la victoire de MPP. Je dis que cette victoire aurait pu être éclatante si on n'avait pas vu tout ça. Elle est éclatante en tout cas. Oui, okay. Mais... Monsieur Benoît, la réaction elle est ternie par des situations malheureuses. Non, pas du tout, je suis désolé. Elle est ternie parce que... Non, je suis désolé. Un bateau pouvoir qui a tant de moyens, on n'a pas besoin de ça. Non, vous nous faites un procès d'intention. Non, c'est pas un procès d'intention. C'est un procès d'intention. Non, là, Dibama, même jusqu'à présent, même s'il y a des faisceaux de... Des cartes ont été achetées par les MPP... À Manga ou quelque part. Je crois que l'affaire en justice, voilà, les enquêtes sont là. J'ai pas dit acheter la carte. J'ai dit que j'analyse un peu les conditions dans lesquelles tout cela s'est passé. J'ai dit qu'on aurait pu gagner de façon beaucoup plus éclatante s'il n'y avait pas toutes ces situations-là. Je ne parle pas des cartes seulement, il y a beaucoup de situations qu'on a déplorées. Ok, donc vous ne pointez pas un doigt qui s'attend. Je vais être très attentif, mais moi ce que j'ai vu par exemple à l'arrondissement 4, où des militants, c'était bien identifié, des militants du MPP, qui prennent des espaces verts en otage pour dire non, s'ils ne gagnent pas, ils vont tout casser ici. Moi, je dis que non, pour une bonne démocratie, on n'a pas besoin de ce genre de choses. Ok, Nathanaël Ouédraogo, les résultats sont proclamés. Les différents partis ont 7 jours pour les contester, le cas échéant devant le Conseil d'État. Alors, est-ce qu'au niveau de l'opposition, on s'oriente vers des recours dans des communes? Bien sûr qu'à partir du moment où il y a des irrégularités, nous allons, justement, comme d'habitude, l'UPC est un parti républicain. Et nous nous attachons
C'est vrai que souvent, c'est dur hein, quand vous voulez respecter la loi. Souvent, même vos partisans ne vous comprennent pas. Mais nous, nous préférons ça. Parce que c'est la marche d'un peuple, le peuple burkinabé, vers plus de démocratie. Et souvent, c'est long. Souvent, il faut sacrifier une génération. Et nous, nous sommes prêts à montrer le chemin, même s'il est difficile, à chaque fois, à laisser la violence, à laisser les intimidations, à laisser les fraudes, à laisser les raccourcis que des gens... Normalement, c'est devenu même un réflexe. Vous savez, à force, ça devient une habitude. Ça devient même, on dit que souvent, même l'habitude devient un caractère. Mais nous, nous voulons montrer la voie. Et chaque fois qu'il y aura des fraudes, il y aura des irrégularités, nous comptons saisir le tribunal. Et nous faisons confiance. Et en l'occurrence, pour nous faisons confiance à la justice burkinabé, qui, effectivement, comme le peuple s'est soulevé, est en train de chercher ses marques. Il y a beaucoup de textes qui ont été pris. Il y a une refondation de notre justice, et c'est l'occasion de pour notre justice, justement, d'affirmer ses marques. Et nous lui faisons confiance en lui amenant les dossiers et en acceptant, d'ailleurs, souvent, quel que soit le résultat des urnes, ce qui se passe, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et nous, nous allons faire des recours. Je vous affirme qu'il y a des recours, parce qu'il y a des comptages que nous, nous avons avec le cachet des bureaux de vote de du bureau de vote de la CENI qui ne concordent pas avec ce qui a été publié hier soir. Qu'est-ce qui est en question, quoi? Il est question de comptage, de comptage simplement, d'addition, de parfois des erreurs comme ça, que nous comptons faire. Mais je pense que... Et quelle est l'ampleur de ces erreurs-là? Bon, vous comprenez qu'actuellement, nous sommes en train de remonter. Les résultats ont été proclamés hier dans la nuit. Et jusqu'à, en tout cas moi, ce matin, je n'avais même pas accès au site de la CENI. On nous a promis une clé qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, contenant les données. Donc, vous comprenez qu'on a 7 jours. Si je vous disais le total, c'est que c'est pas vrai. Il faut encore nous 2-3 jours pour que nos avocats nous épluchions l'ensemble de ces données-là pour pouvoir vraiment arriver à vous donner l'ensemble et l'ampleur, puisque vous me parlez de l'ampleur, de ce qui peut se révéler comme étant des erreurs ou peut-être des tentatives de fraude. Voilà. Ok. Alors, M. Benoît, du côté du MPP. On est dans la même dynamique. Hein. Il y aura des recours. On va faire des recours, évidemment. Là où on pense qu'il y a eu des erreurs matérielles hein, dans les comptages, comme il est dit. Et là où aussi on a senti des petites tentatives de fraude, parce que quand on parle de fraude, on pense toujours au parti majoritaire, alors qu'il y a d'autres qui sont très forts dans ça, et dont on ne parle pas beaucoup. Donc on va faire des recours aussi. Okay. Et comme il a dit, évidemment, ce n'est que hier que nous tous nous avons eu les résultats. Et on attend de faire remonter, on a fait un peu, on a saisi nos données. On voit à peu près là où il y a des petites difficultés. On rentre en contact avec nos correspondants communaux. Et donc, on va faire des recours sur les résultats. Oui, je dois donner une grenade sur cette question. Non, bon, qu'il y ait eu des fraudes, je pense, ou des irrégularités du côté du pouvoir comme de l'opposition, je n'en doute pas. Mais que ces fraudes soient... à tel que ça puisse vraiment modifier les données là, moi il faut en douter. Je pense que c'est même s'il y a eu des recours, je crois que aujourd'hui bon, il n'est plus question de bourrer les urnes. Il y a eu des fraudes, mais je crois que moi personnellement, je crois que les résultats présentés sont conformes à vraiment à ce qui doit être, parce que bon, l'ordre a été respecté, parce que je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment des fraudes jusqu'à permettre au MPP de gagner. Bon, vraiment tous ces sièges-là. Mais ce qu'il faut dire également, c'est qu'au niveau de la CENI, même on a dû communiquer sur le mode de répartition des sièges, parce que je crois qu'il y a peut-être des erreurs. Oui, la CENI nous a envoyé effectivement un communiqué ce soir que nous allons passer demain dans notre édition pour expliquer le mode de désignation des sièges, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Bon, donc il fallait expliquer comment on a fait pour vraiment attribuer les sièges. Cette fois, c'est la forte moyenne et non le plus fort. Voilà. C'est très compliqué, c'est très technique. Là, Guibama, oui, alors les fraudes dont on parle. Non, je partage exactement le même point de vue que tu as donné, hein, parce que ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu ce genre de situation quand il y a des scrutins comme ça, il y a des recours. Mais tout porte à montrer qu'il n'y aura pas grand changement au finish, quoi, parce que ce n'est pas ces recours-là qui vont venir modifier de façon vraiment. Substantielles, les résultats qui sont déjà là devant nous. Alors, toujours avec vous, M. Bama, ce qu'on peut dire, c'est que ce scrutin municipal-là parachève le processus électoral, donc après la transition. Selon vous, en tant qu'analyste politique, en quoi ce scrutin-là va-t-il impacter l'échiquier politique national?
Ben, je ne sais pas, peut-être que... On voit qu'ailleurs, ça donne lieu souvent, après des scrutins comme ça, des remaniements et autres, véritablement, ça bouscule l'ordre établi. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de ce genre au Burkina? Moi, je ne vois pas ça comme ça. Peut-être que, comme le parti au pouvoir est là, peut-être qu'ils pourront nous dire ça. Mais moi, franchement, je ne vois pas ce que ça peut venir, changer. Mais ça surtout, l'assise déjà. Oui, surtout que ça n'a rien changé dans l'ordre qui était établi, comme Dieu l'a dit. Il n'y a pas eu un grand changement en tant que tel dans l'ordre qui était là, qui prévalait. Donc, normalement... Maintenant, comme c'est politique, peut-être qu'à leur niveau, ils voudront en tout cas faire des réaménagements, peut-être pour... comme il y a certainement des coalitions pour pouvoir avoir certaines mairies, il va falloir contenter certains alliés circonstanciels qui ont dû peut-être contribuer. Donc, peut-être c'est à ce niveau que... Alors, M. Benoît, est-ce qu'on s'oriente vers... ce qui est certain d'abord, c'est qu'avec le nombre de mairies que nous avons et que nous allons... en tant qu'MPP... Hein, que vous allez peut-être avoir... Avoir avec l'alliance des partis alliés, enfin, les partis de la mouvance présidentielle, on peut arriver à 276 mairies. Donc, vous allez même au-delà des 250... Ah ouais, non. 250, c'est l'MPP. L'MPP, voilà. Mais avec les alliances, vous allez à 26 à peu près, ouais. 26 mairies. C'est 368. Voilà, 26 mairies à peu près. Je crois que l'impact que ça va donner, le premier impact et le plus important, c'est que ça va nous permettre maintenant de mettre en pratique le programme du présidentiel. On a les mains libres. Parce qu'il n'y a pas d'élection en vue avant 5 ans. Moi, je touche du bois. Avant 5 ans. Et... Vous le dites si bien. Je le dis si bien. Je touche du bois. Donc, pendant 5 ans, on a quand même la latitude de mettre maintenant en pratique le programme présidentiel. Maintenant, on aura l'occasion de juger. Voilà. Maintenant, est-ce que ça va entraîner... Ce qui est certain, avec nos alliés, il y aura des arrangements pour qu'ils aient des communes, qui vont présider les communes, parce que comme on l'a dit... Il n'y aura pas de changement au plus haut niveau. Au plus haut niveau, ça, là, cette question, je ne peux rien dire là-dessus. Je ne peux pas vous y aventurer. Mais ce qui est certain, en tout cas sur le terrain, ça nous permet de mettre en pratique le programme du président. Ok, l'avenir nous dira. Monsieur Zoumrana, est-ce que ça bouleverse ou bien comment ça peut impacter l'échiquier politique? Non, je pense que, l'impact ici, c'est que ça, effectivement, ça donne les couleurs franches aux partis majoritaires, comme je l'ai dit, parce que l'exécutif, c'est eux qui ont le gouvernail. Au niveau de l'Assemblée, ils sont majoritaires. Ils auront la majorité des mairies. Donc, si peut-être changement ou bien peut-être remaniement, il devait y avoir, mais là, personne n'est dans la tête... du président Rocaboré pour dire s'il va. Mais je pense que, moi, surtout, c'est sur lequel je veux m'attarder, peut-être, il faut voir est-ce que, justement, cette hyper-puissance-là, à la fin, est-ce que c'est peut-être pas un peu gênant aussi? Oui, parce que quand on est hyper-puissant comme ça, on a tendance à en abuser. Et on a vu justement avec le poids. Donc, j'espère que le MPP va pouvoir vraiment pouvoir chaque fois se remettre en cause, malgré qu'il est hyper puissant à l'exécutif, pour justement ne pas avoir tendance à vouloir écraser l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand vous avez toute cette puissance politique-là, vous agissez comme... Puisque même à l'Assemblée, une loi... qu'on le veuille ou non, elle va passer. Au niveau des conseils municipaux, il n'y aura pas de blocage. Donc, moi, j'ai peur que le MPP n'abuse vraiment de sa puissance. Alors, la prochaine grande étape, bien sûr, après les différents recours et puis les résultats définitifs, donc... qui seront proclamés certainement par le Conseil d'État, on peut dire que la prochaine grande étape, c'est véritablement donc, les élections des maires, le choix des maires au niveau des différents conseils municipaux. Est-ce que c'est une autre chaude période qui s'annonce selon vous, M. Zoumrana? Oui, hier nous avons, c'est ce matin, notre éditorial portait justement sur, nous avons titré la bagarre des maires commence. Des mairies commencent parce que, elle est d'abord intra, c'est-à-dire
au sein des partis, et puis elle est aussi entre les partis. Donc on a une double tambouille qui se profile à l'horizon, parce que d'abord, bon, au sein des partis, si on prend un parti comme le MPP, et on prend l'exemple, par exemple, des villes emblématiques comme Ouagadougou, Koudougou, Wayouya, bon, il va sans dire que même au sein du MPP, bon, il y a des gens qui se positionnent. Et dans un parti, voilà, il y a des prétentions. Et dans un parti, il y a toujours des courants centrifuges. Il y a des courants. Chacun a son petit, bon, les bons, les classiques du parti. Chacun va s'en dire, va vouloir placer son petit. Si on prend par exemple la mairie de Ouaga, convoitée justement par M. Nathanaël. Bon, voilà, la mairie. Il y a des noms déjà qu'on jette en pâture au niveau du c'est sur les réseaux sociaux pour que c'est un tel. Bon, qui va être maire, on voit déjà des noms circuler. Bon, donc déjà, et quand il y a plusieurs noms comme ça, il y a des risques. Et entre les partis aussi, il y aura un peu ces frictions-là. – Ladjibama, est-ce que donc on s'oriente véritablement vers encore une période de montée de tension avec, en tout cas, la mise en place donc, de ces conseils municipaux et puis le choix des maires ? Bon, non, c'est sûr, mais je crois que ce ne sera pas des tensions qui vont… aller jusqu'à impacter la vie nationale parce que c'est à l'interne des partis là-bas. J'imagine qu'au MPP, déjà, ils ont donné le ton déjà au moment même de la désignation des différents candidats et tout ça, où ils ne se sont même pas entendus à la limite pour pouvoir déposer leur candidature. Donc j'imagine que là encore, ça serait une occasion. Mais comme c'est à l'interne, ça ne regarde que eux en interne là-bas. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à gérer ça en interne, que ça doit venir impacter... Mais il y a le risque également entre les différents partis. On a déjà vu des conseillers qui ont retourné leur veste et en tout cas qui ont voté pour en tout cas un autre parti que celui pour lequel ils ont été élus. Même ça, en fait, je veux dire, c'est entre eux politiques là-bas. Hein, c'est entre eux, que ce soit en interne dans les partis politiques ou bien entre partis politiques, c'est entre eux. Maintenant, si quelqu'un n'est pas assez convaincu de son engagement dans son parti, qu'il se laisse acheter par un autre parti, bon, je crois que ça n'engage que la personne. C'est à son parti aussi de tirer, en tout cas, les conséquences de cela. De toutes les façons, comme on a dit, les alliances sont connues dans un camp comme dans l'autre. Mais comme on l'a vu, que ce soit au niveau du CFOP ou de l'alliance la majorité présidentielle, alors chacun a vite fait de mettre ses conseillers en garde. Monsieur Nathanaël Ouédraogo, est-ce que vous avez des craintes concernant donc la fidélité peut-être des conseillers élus sous votre bannière ou en tout cas sous la bannière de l'opposition? Non, nous n'avons pas de crainte parce que, comme vous l'avez dit, si vous regardez l'UPC, nous avons déjà un candidat pour la mairie de Ouaga. Il a présenté un programme qui a été concocté. En l'occurrence, vous-même. Oui, il a concocté un programme et ce programme-là a été soumis à la sanction des candidats conseillers qui avaient voté quelqu'un avec ce programme pour le mettre en œuvre. Donc, vous voyez que nous avons déjà dépassé cette étape de dire que c'est maintenant on va essayer d'imposer quelqu'un qui peut-être n'a même pas de programme ou qui n'est pas capable. Et d'ailleurs, moi, je pense que, comme vous avez dit, il y a une élection qui commence. Ça aurait été bien qu'il y ait une petite campagne. Que, par exemple, sur ce plateau, on se rencontre peut-être avec celui qui prétend la mairie de Ouagadougou pour savoir qui c'est d'abord. Et voici, il a un programme et nous allons en discuter ensemble avec notre programme à l'UPC pour dire est-ce que la population, est-ce que les conseillers élus, le moment venu, doivent choisir la personne à même de changer cette ville de Ouaga, par exemple, et avec un programme pour un développement harmonieux, ou bien c'est un vote mécanique. Ça, ce serait intéressant. Mais au-delà de Ouagadougou, est-ce que vous êtes sûr que tous les conseillers élus sous votre bannière vont voter? Parce qu'ailleurs, nous avons fait la même chose. Nous avons des programmes, en tout cas pour la plupart des grandes villes. Nous n'attendons pas de connaître qui va... Il faut d'abord élire les conseillers, ensuite nous asseoir. C'est sûr que, comme vous dites, moi, je pense que on a dépassé au niveau de l'UPC ce genre de problématique. Monsieur Benoît, d'abord pour réagir, est-ce qu'au niveau du MPP, aujourd'hui, à l'interne, en tout cas, les choses sont tranchées ou est-ce que c'est toujours, en tout cas, dans l'expectative et puis des... Non, il faut savoir une chose, c'est que le MPP a été le seul parti à organiser des primaires en son sein pour désigner les conseillers. Et ça, beaucoup se sont dit que ça allait nous coûter très cher. C'est vrai qu'on est passé à côté de beaucoup de difficultés. Ça fait que les maires que nous allons proposer seront des maires qui seront élus par nos conseillers, désignés par nos conseillers. Nous n'allons imposer aucune personne
dans une commune. Ce sont les conseillers réunis qui vont élire, qui vont choisir leur maire. Mais il n'y a pas de risque en ce moment. Maintenant, il y a des critères que nous allons certainement donner. Il faut d'abord que l'intéressé soit de bonne moralité. Il faut que l'intéressé ne soit pas objet de poursuites judiciaires ou quoi que ce soit. Il faut que l'intéressé sache lire et écrire. On va demander un certain niveau. On ne va pas accepter de mettre un analphabète à la tête d'une mairie. Donc il y a des critères que nous allons dégager. Mais ceux qui vont choisir le maire, ce sont les conseillers. Mais je vous pose la même question. Est-ce que vous êtes sûr que tous vos conseillers élus sous la bannière MPP, ses alliés, vont rester De manière générale, la discipline au sein du parti est bien suivie. Je ne dis pas totalement suivie, est bien suivie. Mais je ne vois pas de volonté aussi de débaucher. Je ne vois pas en quoi un conseiller va aller trahir son parti pour aller dans pour voter pour un parti qui a perdu. Non, je ne sais pas. Alors on va permettre à Dieudonné Zoubrana également de réagir. Non, je veux dire que bon, je voudrais partager l'optimisme de M. Nathanaël. Malheureusement, sa foi risque de ne pas être contagieuse parce que la transhumance politique est une réalité. Et comme les gens sont corruptibles, ben on peut bien les acheter. Et vous êtes mémoratif du cas Assibo Ouédraogo de l'UPC qui a fait perdre la mairie de Bordeaux à l'UPC. Donc aujourd'hui, et surtout les partis de l'opposition, les conseillers de l'opposition ne sont pas à l'abri de ce débauchage-là. Ça, il faut être clair. Bon, vous êtes optimiste. Bon, mais souvent, comme on dit, bon, les gens ont des, bon, quand ils sont conseillers, bon, ils ont des petites ambitions. Bon, ils se disent, bon, à quoi bon? Bon, j'ai mon parti, mais qu'est-ce qu'ils m'offrent? Bon. Au-delà de ça, bon, bon, quant au parti majoritaire, bon, c'est vrai que généralement, le mouvement inverse, on ne le voit pas, les gens, les conseillers de la majorité qui. Mais il peut y avoir aussi un autre phénomène, parce qu'il y a des gens aussi qui voudraient, par exemple, étrenner une mairie. Si d'aventure, ils n'ont pas satisfaction, bon, souvent, on boude, et souvent même, il y a des blocages et même des démissions. Et même du sabotage, parce que les gens sont venus pour certaines ambitions. Si ces ambitions-là ne sont pas remplies, on peut être du MPP, on peut être un conseiller municipal, mais on vient, par exemple, si je ne suis pas premier adjoint du maire ou si je ne suis pas trésorier, ben en tout cas, il peut arriver qu'il démissionne en bloc en entraînant même d'autres conseillers municipaux. Autant de perspectives à ne pas écarter. Voilà. Là, Djibama, avant qu'on poursuive. Non, c'est vrai, c'est des situations qui ne sont pas nouvelles. On a souvent vu ça ici au Burkina. C'est des questions d'intérêt. C'est dommage que ce soit comme ça. Hein. Moi, je m'attendais à ce que quand même, après l'insurrection, on n'allait plus voir ce genre de pratiques-là, surtout avec les différents discours qu'on a pu entendre pendant les campagnes, les discours de changement qui ont été prononcés par les uns et les autres. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'après tant de discours promettant le changement, on revienne tomber dans les mêmes travers que sous l'ancien système, c'est dommage. Alors on va s'arrêter spécifiquement sur le cas donc de la mairie de Ouagadougou, parce que bon, pour ce qui est de Bobo Dioulasso, on peut dire qu'il n'y a pas véritablement grand suspense, en dehors peut-être, je crois, d'un arrondissement qui risque d'échapper. L'arrondissement 5 qui va échapper donc certainement au mouvement du peuple pour le progrès. Mais pour ce qui est de Ouagadougou, on peut dire que c'est un peu plus serré, même si aujourd'hui déjà, le MPP revendique donc le contrôle de la mairie centrale de Ouagadougou. Et alors, selon le calcul, en tout cas, développé par le président, 7 arrondissements devraient donc échoir au MPP et donc 5 à l'opposition. Alors, M. Ouédraogo, vous êtes le candidat de l'UPC à cette mairie centrale de Ouagadougou. À ce stade, le MPP crie victoire. Est-ce que vous, de votre côté, on assume la défaite? Ou est-ce que... Donc, s'il n'y a plus d'élection, il faut nous dire. Moi, j'ai dit qu'il y a une élection. Et moi, je pensais qu'on est en démocratie. Si on peut dire ce qu'un conseiller doit voter avant et dire qu'on a déjà la mairie, donc ça veut dire que ce n'est plus la peine de voter. Mais vous restez cela, quand même. Nous y croyons. Vous restez optimiste ou bien? C'est pour cela que nous y croyons. Et nous pensons encore une fois que notre foi, comme on dit, même si elle n'est pas contagieuse, c'est une ferme détermination des choses.
Voilà. Ça, c'est contagieux. Non, pas forcément. Oui. Sinon, non, mais ici, sinon, le monde serait soit musulman ou chrétien. Parce que, mais monsieur Drago, c'est quoi arriver à contaminer mais tout mais le ici, monde. C'est mathématique. Mais ce que je veux dire, justement, c'est dit, j'ai dit si c'est mathématique, on n'a plus besoin d'élections. Il fallait simplement dire, au sorti de ces élections, on nomme, on envoie un nom, hein, au, je sais pas, au Conseil d'État ou au, au gouverneur en disant c'est telle personne, le parti qui est arrivé en tête. Mais on dit que les gens doivent élire. Et je crois que c'est parce qu'on fait appel à leur conscience. C'est parce qu'on fait appel et on dit aucun vote impératif, il est nul et nul n'est fait. Donc nous pensons encore une fois que l'UPC doit montrer la voie. C'est pas, c'est comme je dis, c'est pas sûr qu'on soit suivi, hein, mais nous devons montrer la voie. Et cette voie-là consiste à dire, avec le peuple, prenons un pacte. Qui doit nous gérer? Ce n'est pas en interne seulement, on met des critères au dernier moment d'intégrité, de machin, et puis voilà. Non, il faut le mettre avant. Si on a pu le mettre, je viens. Si on a pu, si on peut le mettre maintenant, je ne comprends pas que jusqu'à présent, j'aurais aimé que le, lors de la conférence de presse, on nous dise, voilà donc, nos conseillers élus ont désigné telle personne parce qu'il répond aux critères. Et comme je dis encore, nous aurions aimé échanger. Mais en tout cas, si on n'a pas eu l'occasion à la présidentielle d'échanger sur les idées, les programmes et les hommes, qu'on puisse peut-être organiser un deuxième tour, parce que c'est un deuxième tour. Et nous aimerions rencontrer. Ah ben, j'espère, si c'est lui, c'est qu'on peut déjà engager la discussion. Monsieur Benon, pour la mairie de Ouagadougou, on peut dire que chez vous, de votre côté, il n'y a, plus mais de. Nous sommes très. Non, on ne dit pas qu'il n'y a rien. On est républicains, on est démocrates, même si. Mathématiquement, on a les voix. La majorité. La majorité. Bon, il faut quand même voter. Voilà. Et les critères d'intégrité, tout ça, nous, on l'a posé depuis la base. Hein. C'est-à-dire, pour être candidat, quand vous déposez votre dossier pour être conseiller, c'est écrit dedans. Il faut que vous, y a des critères clairs qui sont dessus. Qui sont édités. Intégrité, quoi, etc. etc. Alors, bon. Le temps, on est bousculé un peu par le temps. Comment on est bousculé? Voilà, monsieur Zungrana, on va réagir sur, en tout cas, un élément qu'on peut noter également. Une quarantaine de partis sont sortis bredouilles de ces élections municipales-là. Est-ce que aujourd'hui, ça ne pose pas la question véritablement de la raison d'être de ces partis? Parce que c'est des partis qui n'ont même pas réussi à avoir un seul conseiller sur les 368 communes, Laïdi Bama. Peut-être avant M. Zungrada. Non, je crois que c'est une question qui mérite d'être posée, effectivement. Un parti doit être créé, et puis même dans le fief même du président du parti, il n'arrive même pas à défaut de lui-même, à faire élire quelqu'un conseiller dans un secteur, je crois qu'il y a un problème. Mais vous savez aussi, on est dans un contexte où, malheureusement, et souvent, ce n'est pas les idées qui comptent ici, hein, sous nos tropiques. Ce n'est pas les idées, souvent, ce n'est pas les programmes. Souvent, ça m'a fait rigoler. J'étais à Rio pendant la campagne. Je voyais des candidats qui partaient de la campagne qui disaient non, si vous laissez le président Roch, je ne sais pas où vous allez partir. Des gens battent leur campagne sous l'argument que non, les gens doivent suivre Roch, le président. Ce n'est pas Roch qui vient pour être maire là-bas. C'est quelqu'un qui a des idées pour développer sa localité, qui vient. Mais quand bon, les gens n'ont pas de programme pour leur localité, que c'est des partis qu'on élit finalement, et non des personnes, bon, ça fait que souvent, c'est pas évident. Dieudonné Zungrana. Non, c'est pas étonnant. Bon, vous savez, les partis se créent comme ça, bon, souvent sur un coup de tête. Bon, comme disait quelqu'un, oh, les militants ne peuvent même pas remplir une cabine téléphonique. Bon, donc c'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, c'est créer un parti, et ici, c'est la donne personnelle. Si vous prenez un parti, c'est souvent le président du parti qui est l'alpha et l'oméga de ce parti. Les moyens, c'est lui qui a les ressources et les ressorts pour faire fonctionner le parti. Or, on a des gens ici, bon, qui créent un parti, bon, vous les croisez en ville, bon, ils sont à 1000 francs près. Ils ne peuvent pas faire de la politique. Parce que si vous n'avez pas un minimum, il faut qu'on se dise la vérité, si vous n'avez pas le minimum, ne vous engagez pas en politique, parce que c'est pour amuser la galerie. Donc je crois que bon, cette bérésina électorale qu'a essuyé cette quarantaine de partis-là, bon, c'est normal. Parce que si vous prenez les leaders de ces partis-là, bon, nous les croisons, nous sommes journalistes. Bon, souvent même, on part pour interviewer bon, le monsieur
on ne sait pas où est le chou. Bon, il est là, il n'a pas. Bon, quel est votre programme? Et donc, le gars, il dit non, et on ne peut même pas le joindre. Il est. Non, c'est difficile. Donc, je pense que ça c'est normal. Alors, une dernière question extrêmement donc, importante concernant, donc, en tout cas, la prise de contrôle de ces mairies-là. Parce qu'aujourd'hui, la question également qui est posée, c'est quelle gouvernance pour les municipalités qui seront installées? Parce que, comme l'a dit Bama, l'a dit entre-temps, le maire aujourd'hui au Burkina ne joue pas forcément d'une bonne image. On a vu un certain nombre de maires qui ont été donc traînés derrière les barreaux. Aujourd'hui, quelle gouvernance pour les nouvelles municipalités, les nouveaux conseils municipaux qui vont être installés? Un dernier tour de table, monsieur Nathanaël Ibrahim. Je pense que, en fait, ces élections des municipalités posent un grand principe de la démocratie. C'est celui de la décentralisation. Et moi, je pense que dans la réflexion que nous devons mener, je pense que la première des choses, c'est de dire, est-ce que c'est décentralisé? On nous parle du programme présidentiel, alors qu'on doit décentraliser. Et je pense que l'État a déjà des préfets dans ses communes qui jouent le rôle, justement, de mettre en œuvre... Mais les nouveaux maires qui seront élus. C'est ça que je veux venir. C'est cette dualité et finalement ce chapeautage qui enlève même à la décentralisation son sens, qui amène toutes ces dérives dont vous parlez. C'est pour ça que je voulais faire le parallèle, dire nous devons poser, est-ce que la décentralisation consiste justement à ce que, parfois, et chaque fois il y a eu ce problème, le préfet et le maire, vous voyez qu'on demande même au haut commissaire de venir installer. Oui, monsieur, mais le maire, forcément, il est chapeauté par l'administration et souvent, il rentre dans un système de gestion qui est difficile pour lui de s'en sortir. Et comme il dit, quand il a toute puissance, sans la maîtrise, ça amène justement. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Ladji Bama, quelle gouvernance pour les nouveaux conseils municipaux? Non, en fait, je crois que dans nos. Que ce soit même au niveau des conseils municipaux, même au niveau même central, il y a un grand problème dans nos exécutifs, que ce soit local ou au niveau... Ça veut dire que la question de la redevabilité doit être vraiment au cœur de ces exécutifs-là. Et c'est ce qui a manqué jusque-là. Ça veut dire qu'on est lié maire, et puis chacun, dès que l'élection est finie, chacun rentre chez lui, et puis il attend là-bas que le maire va faire son bonheur derrière lui. C'est pas possible. Il faut que après que ces maires-là soient installés, que les populations soient là, qui s'impliquent dans la gestion de leur localité. Okay. Autrement, on va se retrouver encore à la fin de ces mandats-là avec la même situation qui n'ont pas changé. Dieudonné Zungrana, en une minute. Non, je pense que la rupture, le changement, ça a été les maîtres mots qui ont traversé les discours politiques. Hein. Donc, je crois que ces municipalités-là ne peuvent qu'imposer une gestion vertueuse. Lui, il parlait de redevabilité, moi je parlais de devoir d'ingratitude. Bon, maintenant, il ne s'agit pas parce qu'on a manœuvré pour que quelqu'un soit maire, bon, qu'il exécute, qu'il soit corvéable et malléable, merci, il doit être ingrat. Vous m'avez fait maire, mais je ne vous connais pas. J'applique la loi. Donc, ils ne peuvent que, si vraiment, ils veulent vraiment bien travailler pour que vraiment les gens soient reconnaissants, il faut qu'ils instaurent une gestion vertueuse. Merci, M. Benoît. Alors, quelle gouvernance pour les nouveaux conseils municipaux? Oui, je l'ai dit sur un plateau de télévision, je crois que c'est à BF1, que le chef de l'État a donné l'exemple. Vous savez, le devoir de redevabilité dont on parle. Le président s'est prêté à la presse et rendre compte de ce qu'il a fait les 100 jours. Et j'ai dit à ce plateau-là que dorénavant, que vous soyez député, vous soyez maire, vous soyez gouverneur, haut commissaire, DG, vous devez emprunter cette voie-là, rendre compte obligatoirement de ce que vous faites. Ça, c'est la redevabilité. Et ça, au niveau des collectivités, il le faut. Donc, pour ce qui concerne la décentralisation, comme l'a dit tout à l'heure M. Ouedraogo, la décentralisation, ce n'est pas l'indépendance des communes. Hein. C'est l'autonomie. Et au-dessus de la commune, il y a l'État. Bon, je crois qu'on ne va pas... Ah oui, non. On va pas ouvrir... Je crois qu'on ne va pas ouvrir un autre débat. Voilà, on ne va pas ouvrir un autre débat. Certainement, on aura d'autres occasions pour discuter donc, de la décentralisation. Voilà, le temps qui nous était donc imparti, donc, en tout cas, arrivé à son terme. On va vous remercier une fois de plus pour votre disponibilité pour cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, merci pour votre attention durant donc, ces une heure de débat. Et bonne suite du programme sur la télévision du Burkina.
tableau bonnet donner. Morning.